Avec Françoise Guillaumont de la compagnie La Baleine Cargo et avec Claudie Landy de la compagnie Théâtre Toujours à l'Horizon. Elles étaient hier soir avec un certain nombre d'intermittents à la coursive après une marche lente qui a démarré à partir de la petite tour. Voilà, vous vous êtes dirigé au pas, si je peux dire, en direction de la coursive. Vous êtes rentré dans la salle, le public était installé. Là, vous vouliez faire passer un message au plus grand nombre. Quel était-il, ce message ? Oui, alors juste dire qu'en fait, on s'était réunis avec la coordination des intermittents et des précaires de Poitou-Charentes. Donc, on avait aussi des collègues de Poitiers qui nous ont rejoints. Voilà, donc du coup, la marche lente a été assez impressionnante. On était quand même suffisamment nombreux. Et en fait, c'est Marie-Claire Villard, qui est comédienne à La Rochelle, qui a pris la parole et qui a demandé la remise en cause de l'agrément du 22 mars parce que effectivement, il est profondément injuste, non seulement pour les intermittents, mais pour tous les chômeurs, pour tous les précaires. Et voilà, donc ça c'était vraiment c'était important qu'on se réunisse là-dessus. Claudie ? Oui, je voulais juste rajouter que cette marche lente silencieuse et la lecture de ce texte a été réalisée aussi plusieurs fois dans le cadre du Festival du film. À chaque fois il y a eu des applaudissements, donc on sent quand même une écoute, une compréhension, plus qu'en 2003 d'ailleurs. Sur l'affaire des intermittents, mais aussi de l'assurance chômage en général, parce que le texte qu'on a écrit, le mouvement qu'on mène est vraiment une remise en cause globale de la question, on va dire. En Poitou-Charentes, vous commencez à vous structurer. Il y a une coopération entre les intermittents des quatre départements qui commence à se mettre en place. Ça, c'est précieux pour faire avancer les idées. En fait, on a créé des collectifs sur les lieux où on travaille et puis on s'est aperçu que ce serait quand même bien qu'on soit en relation les uns avec les autres. Bon, en même temps, moi je sais que par exemple dans l'équipe que j'ai avec laquelle je crée mon prochain spectacle, j'ai des intermittents de Poitiers, des intermittents de Niort. Donc évidemment, on s'y est en courant de tout ce qui se passe. Mais du coup, là, ça s'est formalisé et c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Et qu'on se soutienne et il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et aussi des caisses de soutien pour les grévistes. Et, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place parce qu'il va s'agir de durer, il va s'agir de faire plier les négociations, enfin de faire que les négociations aboutissent sur la remise complètement en question de tous ces accords qui sont absolument injustes et qui pénalisent les plus pauvres surtout. Ouais. Je sais pas. Oui. Les actions que vous menez cette année, à la différence de 2003, en 2003, les festivals étaient arrêtés. Les spectacles annulés, cette année, la mobilisation s'effectue d'une autre façon. Oui, après, je pense que certaines personnes sont aussi pour bloquer les choses, ou du moins
Par exemple, il y a eu une journée de grève et même deux jours, je crois, de grève à Avignon, etc. Pour ma part, je parlais en mon nom, mais je trouvais ridicule de bloquer le visa du film alors que c'est vraiment des complices. La plupart des gens et des artistes étaient avec nous. On a eu des discussions avec Pippo Del Bono, par exemple, etc. Donc je suis plutôt quelqu'un qui est pour lutter pour et faire entendre notre voix, ce qui est aussi radical que de bloquer les choses. Je dis pas que parfois, c'est à chaque équipe, finalement, qui réalise les choses le soir même de décider. Voilà, ça c'est ma position. Mais il faut pas lâcher, comme dit Françoise. Et je pense que la plupart d'entre nous, dans nos spectacles respectifs jusqu'en décembre, il y aura toujours, nous on a commencé en juin, il y aura toujours une parole intermittente ou quelque chose, je ne sais pas encore quoi, à imaginer dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Nous, dans le cadre de la Fédération des Arts de la Rue, on a édité une carte postale, par exemple, qui reprend le mot d'ordre, finalement, d'une justice et d'un pays de culture pour la France et de la possibilité, effectivement, de chacun de vivre de son travail et qui sera envoyé à Monsieur Hollande. Voilà, il y a des actions qui se mettent en place comme ça. Et moi, je sais que sur les festivals d'été, les festivals Arts de la Rue, on va prendre la parole et on va distribuer cette carte postale. Moi, je suis assez d'accord avec Claudie. Je pense qu'il y a des fois, il faut vraiment bloquer. Là, en l'occurrence, ce qui me semble important, c'est que nous, on n'existe pas sans le public. Et le public, eh ben, sans nous, il n'y a plus de spectacle vivant. Et que le public est un allié. Voilà, et qu'il faut surtout qu'ils comprennent pourquoi on se bat et qu'ils nous soutiennent. Et c'est vrai qu'à chaque manifestation et à chaque prise de parole à la coursive, on a été grandement applaudis. Et le public nous dit, on vous soutient, on vous comprend. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. On n'est pas seul, quoi. L'agrément donc a été signé par le ministre le ministre du Travail. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, en fait? Qu'est-ce qu'on compte faire maintenant? En fait, des négociations ont démarré. Hein. Il y a eu une première rencontre. Maintenant, enfin, les intermittents peuvent s'asseoir autour de la table de négociation. Parce qu'il faut savoir que quand même, tous ces accords ont été négociés en l'absence totale des représentants du spectacle vivant, ce qui est quand même un comble. Voilà. Donc là, enfin, ils sont autour de la table. Ils ont des propositions à faire qui sont extrêmement sérieuses et extrêmement réfléchies et qui sont très réalistes aussi.